Madame, monsieur, bonsoir. Les responsables de certaines centrales syndicales ont donné une conférence publique hier, une conférence publique pour partager les observations faites dans le dossier de malversation dit dossier CENSAD. Ces centrales syndicales ont pris le soin d'informer leurs militants de la marche qui sera organisée mardi prochain. Voici le compte-rendu avec Igor Aguinawa. Le scandale né des malversations révélées par l'inspection générale d'État dans le cadre de la réfection du Centre international des conférences de Cotonou et du Palais des Congrès à l'occasion du sommet de la CENSAD a fait sortir de leur gond ce mercredi des leaders syndicaux. Pendant que l'on veut supprimer les primes et droits acquis des travailleurs, faire payer les travailleurs avec les augmentations des prix de l'électricité et de l'eau, ou que l'on veut procéder à des privatisations d'autres, le gouvernement du changement, comme un gâteau, fait engloutir la bagatelle, somme de 69 930 68 315. Ça, c'est le total des coûts prévisionnels du volet 1 au volet 7. Notre conclusion est que les travailleurs et le peuple doivent refuser de payer le prix de la mauvaise gouvernance à la place des gouvernants. On nous a dit ici, obligation de compte rendu. Je crois que c'est le moment est venu pour qu'on nous rende compte. Et c'est pourquoi, moi, je voudrais profiter de la présence des journalistes ici pour dire et demander au chef de l'État, avec les accusations graves que moi j'ai entendues aujourd'hui, que dans le cadre de la, comme il le dit, puisque c'est son invention, gestion concertée, qui nous apporte les éléments de preuve contraire. Pour les responsables syndicaux présents à cette conférence publique, tout n'est pas encore dit dans ce dossier de malversation. Aussi, demande-t-il que toutes les responsabilités soient situées. Les représentants des centrales syndicales promettent des actions fortes pour exiger du gouvernement que toute la lumière soit faite sur ce dossier. L'une de ces actions est la marche qu'ils projettent organiser mardi prochain afin de dire une fois de plus leur indignation. Levons-nous au combat jusqu'à la satisfaction de nos revendications. Premier rendez-vous, le mardi 21 juillet de 2009, pour la marche pour dire halte à la remise en cause de nos acquis. En attendant ce jour, on peut dire sans risque de se tromper que le dossier CENSAD est loin de livrer son dernier épisode.